Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr. Vous le savez, dans quelques jours, hein, vendredi prochain, le 25 mars, la Nintendo 3DS sortira chez nous en France. La nouvelle console portable de Nintendo dont l'une des spécificités, bien évidemment, est de proposer pour la première fois de la 3D relief sans lunettes. Alors, nous, à Gameblog, on a déjà pu la tester avec de nombreux jeux, mais ce qu'on a décidé, eh bien, c'est d'aller à votre rencontre, vous, et de vous la faire directement essayer. Alors on va tester comme ça, complètement au hasard, pour voir votre réaction, pour voir si cette fameuse 3D relief, eh bien, vous plaît, vous éblouit, vous étonne, ou bien si vous êtes déçu. On va le faire, c'est un test grandeur nature, sans filet, on est parti dans les rues de Paris, à la rencontre de la 3D, de la 3D. C'est parti. Viens avec moi, Pluie. C'est complètement live. Excusez-moi, madame. Bonjour, est-ce que je peux vous prendre juste une minute pour vous faire essayer la Nintendo 3DS? En fait, ce qui nous intéresserait, c'est de savoir si, comment vous percevez la 3D relief. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Alors, regardez, je vais juste vous mettre deux secondes Nintendogs. Alors, c'est un jeu, c'est une petite simulation de chien. Vous avez des animaux de compagnie? Oui, un chien. Oui. Ah bah justement. Bon, on sait que parfois, il faut le sortir, faire les besoins, c'est pas toujours pratique. On va essayer avec Nintendogs pour juste voir ces petits chiots qui vont arriver. Il y a aussi des chats. Mignon. Par exemple, je sais pas, pour vos enfants, vos petits-enfants ou des amis, est-ce que par exemple cette 3D relief c'est quelque chose d'efficace? Amusant. Ouais. Eh ben, merci beaucoup. Je n'ai pas été d'un grand secours. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est quand même. Vous la qualifieriez comment cette 3D? Vous trouvez qu'elle est, elle marche bien ou vous voyez un petit peu flou? Si, non, ça marche bien. Ouais. Eh ben écoutez, merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée, à bientôt. Voilà, alors première impression, bon c'est contrasté, mais enfin visiblement, en tout cas la 3D relief fonctionne bien, elle a été bien vue. Bah, on va essayer avec d'autres personnes. Alors qui on pourrait embêter? Donc, allez voir ces messieurs. Bonjour messieurs, est-ce que je peux vous embêter juste une seconde? Non? Bon, bah, ils ne veulent pas, c'est pas grave, hein, c'est comme ça, c'est live. Hein, alors attendez, quelqu'un qui trimballe ses courses, on va essayer. Bonjour monsieur. Est-ce que je peux vous embêter vraiment 30 secondes? Est-ce que vous connaissez la Nintendo 3DS qui va sortir? C'est une console de jeu portable avec de la 3D sans lunettes. Pas du tout. Est-ce que vous trouvez que cette 3D relief, elle est efficace? Je ne saurais pas vous dire. Non, ça me tente pas du tout. Ça vous tente pas? Pas du tout. Non. Eh ben, c'est pas grave. Merci beaucoup, bonne journée. Bon, bah, pour l'instant, une personne qui a apprécié, une personne qui s'en fout totalement, c'est pas grave, on continue, on va voir avec. On va tester avec toutes les tranches d'âge, hein. Viens avec moi, Poufy. Bonjour, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Non, on ne peut pas leur montrer quelque chose, c'est impossible. Les Parisiens n'aiment rien, c'est définitif. Alors attendez, on va essayer de trouver des jeunes, ce serait bien d'avoir des jeunes. Bonjour madame, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Est-ce que vous avez entendu parler de la Nintendo 3DS? Oui. La télé, les pubs, oui. Oui, j'en ai entendu parler. Est-ce que vous l'aviez déjà vu? Non. Non. Qu'est-ce que vous pensez de l'effet 3D relief? C'est difficile à dire, ça fait réaliste, mais ouais. Je pense qu'au bout d'un moment, ça doit faire mal aux yeux. Vous pensez? Ouais. Alors vous savez qu'il y a une petite réglette comme ça qui vous permet de l'activer. Oui, de la faire en 2D, enfin de la faire normale entre guillemets, mais je pense que les gamins vont s'activer à la 3D, ouais. Et je pense qu'au bout d'un moment ils auront des soucis pour les yeux. Ah, peut-être. À mon avis. Mais en tout cas pour la 3D, vous la trouvez efficace peut-être? Je trouve que c'est sympa, hein, ouais. Ceci dit, je trouve qu'effectivement c'est sympa, ça fait réaliste, on a envie de toucher les petits chiots, mais... Je me pose des questions quant à l'avenir. Des petites réticences sur le côté peut-être un peu dangereux pour les yeux. Parce que bon, les gamins, eux, ils vont l'utiliser un petit peu peut-être trop. Ouais. Et c'est le souci. D'accord. Mais sinon, non, c'est sympa. Eh ben, super. Bah, merci beaucoup, madame. Bon, tu pourras y jouer, mais dans quelques années, toi. Parce que pour les yeux, il faut faire attention. Il y a qu'un an et demi quand même, hein, donc voilà. Il est un peu petit. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Bon, alors... On va continuer, hein. On va essayer avec d'autres personnes. Effectivement, hein, ça revient assez souvent, la 3D, est-ce que ça fait mal aux yeux, mal à la tête? Beaucoup de personnes se posent la question, vous le voyez même dans la rue, directement. Alors, cherchons d'autres personnes. Si on allait voir les pompiers, tiens. Allons voir les pompiers, eux qui sont justement là pour nous sauver. Pour essayer de découvrir la 3D relief de Nintendogs plus 4 qu'on présente ici, regardez, hop. Voilà, c'est le jeu qu'on présente aujourd'hui, hein, en version européenne, bien sûr. Ça a l'air d'être la fête chez les pompiers. Est-ce qu'il y a une porte d'ouverte? Bon, on essaiera plus tard si des pompiers sortent. On va pas les interrompre en plein échauffement, entraînement, je ne sais pas.
avant une prochaine mission, qu'on espère la plus tardive possible, hein, bien sûr. Ah, nouvelle personne. Bonjour madame, est-ce que je peux vous montrer quelque chose? Vous aussi, découvrez le véritable visage des Parisiens. Vous connaissez la Nintendo 3DS? Oui. Ouais. Vous en avez entendu parler, ouais. À la télé. Tu l'as déjà essayé? Non, oui. Pas vraiment. Bon, ouais, on regarde. On regarde là deux secondes. Qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que vous pensez tous les deux de l'effet 3D? Il est magnifique. Très très bien. Tu trouves que ça marche bien, ça fonctionne bien? Ouais, très très bien. Vous allez souvent voir des films en 3D au cinéma? Ah oui, souvent. Ouais. Et vous kiffez ça? Voilà. Pour vous, la 3D sans lunettes, c'est un vrai plus pour une console de jeu. Ouais. Essaye de caresser le petit chiot quand même. Voilà, tu frottes sur l'écran tactile. Ah, c'est bien. Non, tu peux même les caresser en dessous, ça. Stylé. Vous avez une DS tous les deux? Oui, moi, mais j'ai la toute première. Ouais. Et donc, par exemple, la 3DS, ça vous tente ou... Oui, je vais l'acheter, moi. En fait, je vais donner mon ancienne DS et je vais l'acheter à 89. T'sais, elle est à 250€, c'est cher? C'est cher, mais si on donne notre DS, ben on l'a un moins cher. D'accord. Pour vous, ça reste abordable quand même? Ouais. Bon ben merci les gars, hein. Je suis désolé, je vais vous la reprendre. À bientôt, bonne journée. Ah ben voilà des gens qui sont convaincus, mais un peu plus des gamers, hein. Ils ont une vraie habitude du jeu vidéo, vous avez déjà la première DS. On va essayer avec d'autres personnes. Bonjour. Oh, même deux secondes. Juste, regarde. Tu connais la 3DS? T'en as entendu parler? Ouais. Tu peux la prendre juste deux secondes? Qu'est-ce que tu penses de l'effet 3D? Franchement, c'est vachement bien. J'ai les deux DS. Ouais. C'est kiffant. Ouais. Attends, je te mets ça. Ouais, c'est Nintendo, c'est le nouveau. Comme ça, tu vas même pouvoir le caresser. Oh. Regarde. Et comme ça, t'as, maintenant, il y a des chats. Ça fait assez bizarre, quoi. C'est... T'aurais pas peur que ça fasse mal aux yeux? Bah, je sais pas, j'ai l'impression que si on reste longtemps... Franchement, pour l'instant, ça fait pas mal aux yeux, mais après, je sais pas. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que tu as trouvé ça bluffant quand même. Ouais, quand même, ouais. Bah, parce que j'ai vu la pub et tout, mais je pensais pas que c'était autant. Tu vas souvent voir des films en 3D? Ouais. Et tu trouves ça, par exemple, mieux que les films en 3D? Ouais, parce qu'on n'a pas les lunettes. Ouais. C'est chiant les lunettes quand même. C'est chiant, ouais. Ah, franchement, ouais. Je pense que je vais me la faire offrir à mon anniversaire. Hein. C'est quand ton anniversaire? Bientôt. C'est bientôt. Elle sort vendredi prochain. Ouais, moi c'est le 10 avril. Bah ouais, franchement ouais. Eh ben merci beaucoup, tu vois c'était cool. Ouais. Je te remercie, bonne journée. Ah bah les gens ils regardent et finalement l'effet, waouh, il commence à apparaître un petit peu. Bah on continue un petit peu dans notre grand périple. On va essayer de trouver comme ça, vous avez vu, hein, différents âges, sexes, etc. pour comparer. Alors c'est avec Nintendogs, hein, c'est effectivement un jeu un peu plus kawaii. Mais bon, on sait jamais. On va aller voir... Ah bah tiens, un nouveau groupe de jeunes. Allons voir un groupe de jeunes. Hello les gars, je peux vous embêter deux secondes? Vous connaissez la 3DS? Ouais, vous avez déjà essayé ou pas? Non, pas encore. Pas encore? Je te la prête deux secondes? Ah la Nintendo. Tu peux? Qu'est-ce que t'en penses de l'effet 3D? Oh, c'est pas mal, hein, c'est bien. Sérieusement, c'est... Ah mais vous allez essayer chacun à votre tour, vous inquiétez pas. Hey, il est frais le jeu en plus, hein, face moi. C'est des chiens et tout là. Vous allez souvent voir des films? Vous aimez la 3D, ça vous intéresse? Ouais, ou... C'est pas mal comme truc ça. Mais généralement, il y a beaucoup de gens qui disent la 3D au cinéma avec des lunettes, c'est chiant quoi. Là, qu'est-ce que vous en pensez? Il n'y a pas de lunettes? Non, là, franchement, c'est parfait. Mais il n'y a pas de 3D là, c'est... Mais non, mais là, tu regardes pas, vas-y, avance. Tu t'avais déjà vu la 3DS ou pas en vrai dans les mains? Non, non. Je l'ai vu à la télé, c'est tout. Et alors du coup, en vrai, t'en penses quoi de cet effet? Franchement, c'est parfait. Ouais. Mais il sort le 25 mars. Eh, bien joué, vendredi. Mais t'es fou, il est chambé. Et quand même, vous pensez qu'il caresserait des chiens comme ça, les gars? Ah ouais, non, franchement, là, je le découvre. Hein. Ouais. Oh, là, je prends peur, là, Gaston. Vous avez des DS? Vous jouez aux jeux vidéo? Ouais. Moi, je joue aux jeux vidéo, pas de DS. Direct. Et par exemple, ça, là, genre, vous voyez ça, vous trouvez que c'est un vrai argument pour s'acheter une 3DS ou c'est du gadget? Non, c'est un vrai argument, franchement. Mais ça coûte trop cher encore. Ah, alors là, c'est un vrai argument et toi, c'est du gadget. Du gadget, ça fait pitié, wesh. Regarde, mais... Attends, chacun son tour, on va essayer. Alors toi t'as été plutôt convaincu. Regarde comment c'est trop frais. Regarde c'est cramé, tu le vois en vrai, c'est un truc de ouf. Ah ouais? Non mais je te jure c'est vrai. Tu vas essayer après. Ah, moi aussi je vais essayer, moi. C'est déjà frais. Aïe, fais une roulade. C'est quoi plutôt vos styles de jeu, genre Street Fighter? Ouais. PES. Quoi?
Vous voulez voir Street Fighter en 3D? Ouais. Vous voulez voir Street Fighter? Ouais. Bah ouais, on va essayer, attends, regarde. Tac. Voilà, Street Fighter en 3D. Ah, attends, regarde. Tac. On ferme, on la sort. Je suis Street Fighter. Wesh mon gars, il est en 3D. Street Fighter, on fout, tac. Ça va passer à la télé? Non, ça va passer sur Gameblog.fr. Aïe, ah, c'est eh. Tu connais Gameblog? Ouais, moi je connais, franchement c'est frère. Comme ça vous y serez, bah dès demain matin les gars. Chacun votre tour. Bah ouais, j'espère bien. Alors, on va le lancer. Alors, contrairement à la DS, ça met un petit peu plus de temps hein, sur 3DS. Qui veut essayer Street? Allez. Attends, t'as déjà commencé. Après, il y a ici. Alors là, c'est Street Fighter, donc c'est plus des petits chiots à caresser. Et vous allez me dire, qu'est-ce que vous pensez vraiment de l'effet 3D hein. Sur celui-là, en plus, il y a une option maintenant, c'est-à-dire que même si vous êtes nul, sur le bas de l'écran, vous pouvez balancer les boules de feu et tout. C'est trop bien ça, parce que je suis trop nul à Street Fighter, franchement. Et alors, l'autre truc, c'est que vous pouvez jouer à plusieurs, comme ça, en Wi-Fi, ou même directement. En arcade. Ouais, ça change par rapport au Street Fighter. Bon, vas-y, fais les tours un peu. Je permets de celui-là, je la défonce. Ouais, donc si t'apprends sur les touches là en bas, tu balances les furies. Ah ouais. Ah non, non. Si tu perds au prochain round, ah, on change. Allez, on change. Parce que toi pour l'instant, tu trouvais que l'effet 3D était tout pourri. Hein. Attends, je sais pas comment... Attends, Despi, faut que je vois comment ça... Oh le bâtard. Eh, je suis light, Saras. What light? Qu'est-ce que tu penses de la 3D, finalement? Sap, ça fait mal aux yeux. Toi, ça te fait mal aux yeux. Oui, vas-y. Blah, 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 blah. Oh le bolos. Eh, je l'extermine. Eh, vas-y, mon gars, perfect, c'est comment? Allez, allez, chacun son tour. Et vraiment, et dites-moi ce que vous pensez de la 3D. Hein. Dites-moi ce que vous pensez de la 3D. Ouais, j'avoue, c'est impressionnant hein, quand tu regardes. Tu pensais que sans lunettes, on pouvait faire un effet comme ça? Ouais, parce que c'est pas vraiment. Excusez-moi. C'est comme un gadget, hein. C'est cher pour ce truc-là. Ouais. Pour toi ça, elle coûte 250€. Ah ouais quand même. C'est cher. T'achètes une console avec ça, c'est pas. Mais elle coûte combien la 3DS? 250. Ah ouais quand même. Ouais, enfin, comparé à la normale qui coûte 170, c'est la. Par exemple pour vous, le fait qu'il y ait la 3D, c'est super, genre ça vous donne envie de l'acheter ou finalement c'est du gadget et deux jours après vous en foutez? C'est qui est la 3D et qui est pas la 3D, personnellement je vais pas acheter. Ouais. Ouais. Moi 3D j'aime bien. Les effets c'est pas pareil tout ça mais moi bon, franchement j'aurais bien envie de l'acheter mais c'est qu'elle coûte grave cher aussi. Ouais, ouais, ouais. Ça, là. Le même prix que l'ancienne. Toi tu préfères t'acheter une console de salon pour ce prix là. Ciao. Ciao. Allez le dernier essai, comme ça on se met un dernier coup à l'effet de la 3D puis après comme ça vous allez nous faire un petit bilan tous ensemble parce que chacun vous avez des avis un peu différents. Tu la vois bien la 3D toi? Ah ouais je la vois hein. Ouais, tu vois un petit sourire quand même. Ah là j'ai compris ça kiffer. J'avoue. Moi j'écris parce que comme je regardais de loin. Ouais, bah tu vois comment ça bouge. Hein. Et c'est peut-être un peu le problème, c'est que du coup, la personne qui est en face voit bien, mais le reste, on voit rien. C'est ça. On dit, parce que quand on est à ma place là, on dirait que c'est flou. Ouais. On dirait que l'écran il est cassé. Ça peut faire un peu mal aux yeux. Il faut être vachement en face quoi. Ouais, voilà. Allez, dernier petit coup, et vous nous faites un bilan. Ah ouais. L'effet de profondeur, tout ça, franchement, c'est. Sérieusement, on dirait que c'est profond tout ça. Vous nous faites un petit bilan là tous ensemble? Ouais, okay. Vous mettez face cam. Allez, on le regarde deux secondes. Qu'est-ce que ce serait votre bilan? Qu'est-ce que vous en pensez? Bah franchement elle est bien, la 3DS, bon c'est vraiment 3D de ça, mais elle aurait été au même prix que l'autre, moi je l'aurais acheté. Enfin perso. C'est juste le prix qui dérange un peu, c'est tout. Par exemple, vous avez des iPhones ou des téléphones Android, etc. Vous préférez plutôt jouer sur smartphone ou sur une console portable comme ça? Sur console, obligé. C'est fait pour ça, mais ouais, mais c'est cher quand même. C'est une option pour moi la 3D. Ça vaut pas son prix, quoi. Franchement. Pour l'instant, vous êtes plutôt convaincu, mais vous allez attendre que le prix baisse. Ouais, j'attends que ça baisse. Et pour moi, c'est comme Kinect, c'est qu'un gadget, ça sert à rien de l'acheter au prix fort maintenant. Bah écoutez, merci beaucoup les gars. On te laisse finir ton combat de ouf. Eh ben, vous l'encouragez un petit coup là quand même. Ça va gagner. T'es trop nul. Mais ça c'est cool quand même de pouvoir faire des trucs en dessous quand on connaît pas trop. Ouais. Bon, c'est pas hardcore gamer, hein, on est d'accord, mais. Lui, c'est pas voilà, en fait, il fait que avec les trucs en dessous, c'est pour ça il se fait wet. J'ai perdu. Première fois de ma vie que je perds un Street Fighter. Bah merci beaucoup les gars. De rien. Bonne journée.
Ah bah voilà, c'est bien, c'est instructif, on en apprend effectivement un petit peu plus sur l'effet 3D qui bluffe les gens, certains, d'autres qui le voient moins bien. Mais en tout cas, le coût, hein, 250€ pour la console, ça reste élevé, ça reste visiblement quand même un vrai frein. On va essayer de se trouver une dernière petite personne. Allez, on avait dit les pompiers, on va essayer de se trouver un pompier. Hein. Voilà, et puis comme ça, on va conclure notre petit tour in the street pour jouer à Street Fighter d'ailleurs. C'est fermé, ça craint. Eh bien écoutez, ce qu'on va faire, suivez-moi, on va aller la montrer à Thierry Falcoz de No Life, qui va nous donner son avis sur la Nintendo 3DS. Bon, lui il la connaît, hein, il y a joué, mais justement après avoir les avis dans la rue de gens qui la découvraient pour la première fois, eh bien on va avoir des avis d'experts, c'est aussi important, hein, ça permettra de resituer un petit peu, de recadrer un petit peu les choses. Voilà, alors suivez-moi, direction Gameblog No Life. On arrive à nos lives. Il y a déjà du Street Fighter. Bonjour Thierry. Est-ce qu'on peut t'embêter deux secondes? On a eu plein de personnes dans la rue avec des avis, des remarques, des réflexions, parfois surréalistes, parfois ça fait mal aux yeux, parfois c'est génial. Alors toi qui es un vrai spécialiste, qu'est-ce que tu en penses de cette 3DS? Vrai spécialiste de la 3D, mais c'est vrai que bon, déjà il y a le petit switch qui permet de régler la 3D. Donc c'est vrai qu'au début il faut un temps d'adaptation. Donc ensuite, si donc tu mets genre à moitié genre le régulateur 3D, et ensuite tu l'augmentes et à partir de là ça va bien, il faut faire des pauses régulières. Tout le monde ne voit pas la 3D également, donc c'est vrai que là on découvre, certaines personnes se découvrent une incapacité genre à voir les jeux en 3D, donc ça c'est un peu dommage. Et puis sinon c'est bien, là on a fait pas mal d'échanges là avec justement des gens de ta rédaction. On a le fameux Street Pass. Pour Street Fighter 4, donc on commence à recevoir les jeux et à faire des essais, etc. Et c'est vraiment sympa. Quoi. Et toi, qu'est-ce que tu en penses honnêtement de la 3D? C'est plutôt important? C'est vraiment ce qui définit cette 3DS ou ça va vite devenir gadget? C'est ce qui va permettre au grand public de faire waouh et peut-être de s'y mettre? Alors moi, le plus important, c'est déjà que c'est une DS, donc plus puissante. Donc déjà, là, visuellement, donc les jeux franchissent un cap, donc ça, c'est sympa. Ensuite, la 3D, ça permet simplement une immersion un petit peu plus importante. Mais est-ce que ça va être exploité au niveau du gameplay? Ça, on a encore des doutes, d'autant plus que la possibilité de l'enlever laisse supposer que la plupart des jeux pourront être joués également en 2D, tout simplement. Donc pour moi, c'est plus le côté communautaire, toutes les petites fonctionnalités, la réalité augmentée et le fait que la 3DS est simplement plus puissante qu'une DS classique. Quoi. Sur les jeux que, à la rédaction de No Life, vous avez pu tester, que ce soit à différents événements ou directement à la rédac, quel est pour vous le jeu qui sort du lot, qui présente peut-être la meilleure 3D relief? C'est Kid Icarus, c'est celui qui m'a le plus épaté moi personnellement, et c'est vrai qu'en plus c'est un nouveau titre, donc autant genre tu vois les PES, les Street Cat, etc. C'est des titres qui fonctionnent bien en 3D, mais c'est des titres qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vu sur d'autres consoles, donc le fait de voir arriver d'autres jeux, des nouvelles licences, ça c'est vraiment le truc important. Donc ensuite, il y a Zelda, l'air de rien, pouvoir se refaire un Zelda avec cette immersion, avec la 3D relief, c'est vraiment sympa. D'autant plus que ça gère un petit peu le gyroscope également, donc on peut se déplacer, regarder dans les décors juste en bougeant la console. Donc vraiment, ça vient. Mais pour l'instant, c'est avec le line-up, ça fait pas plus envie que ça. Ensuite, il faut tester encore un peu plus Pilot Wings Resort, et donc à voir. Celui-là, on le recevra la semaine prochaine, donc on verra. Ok, bah merci beaucoup Thierry pour ces avis d'experts, hein. Tu ne le dis pas mais moi je te le dis, c'est de véritables personnes qui ont testé ça pendant des heures et des heures, contrairement aux ceux qui l'ont découvert directement comme ça dans la rue. Merci beaucoup, à bientôt, plein de bonnes choses pour No Life. Et alors on continue, on va monter à la rédaction directement de Gameblog et puis recueillir les avis divers et variés. Allez venez. La zone des podcasts, c'est incroyable, ça vous permet de faire une espèce de petite visite guidée en même temps, c'est complètement dingue. Ah, nous franchissons le pont qui nous sépare de la rédaction. Nous y voilà. Alors, vous allez découvrir Tiger en mode de tennisman des Carpates ou en mode j'aime le tuning, moi aussi. Alors, Tiger, t'as pu essayer un petit peu la Nintendo 3DS? Un tout petit peu. Qu'est-ce que tu penses déjà de l'effet 3D? On a demandé aux passants, ça a été contrasté. Je trouve que ça marche très bien, même si moi personnellement les 30 premières secondes j'ai un peu une barre là, mais après ça passe rapidement et puis c'est saisissant quand même, c'est pas mal. Plutôt convaincu pour l'instant. Ah oui, au niveau de la 3D c'est parfait. On verra avec les jeux ce que ça donne, y jouer un peu plus, mais l'effet 3D est très réussi. Bon, on va aller voir, on va pénétrer dans le sein des seins, la rédaction. Allez hop!
Bonjour, bonjour messieurs, micro-trottoir de Gameblog. Trazom, l'homme qui sur Terre, je pense, a le plus utilisé les différentes options comprises dans la 3DS, alors qu'il n'avait pas encore de jeu. Qu'est-ce que tu penses de la 3D? Toi, ici, à la rédacte, t'es celui qui l'aperçoit visiblement le mieux. Bah moi, la 3D, ça ne me pose absolument aucun problème. J'ai pas du tout mal après 2-3 heures de jeu. Aucun souci, j'aime beaucoup, c'est vraiment bien foutu. Mais tu trouves que c'est le vrai plus de la 3DS ou finalement ça va vite devenir gadget? Non, pour moi c'est toujours pas un gadget en fait. Je trouve qu'au contraire, quand tu commences à jouer en 3D, c'est difficile de revenir en 2D. Donc je pense qu'ils ont quand même franchi un pas dans la perception qu'on a de jouer à un jeu vidéo et ma foi, c'est plutôt sympathique. Eh bien, merci Trazom, on découvrira encore plus, hein, puisque Traz est parti sur beaucoup de tests, de nombreux tests du line-up de lancement de la Nintendo 3DS. On franchit le grand couloir de Gameblog pour rejoindre Julo, ah, c'était très long. Alors Julo, toi, tu as pu jouer aussi pareil à la 3DS, tu portes des lunettes comme moi, et on sait que nous, les myopes, eh bien, nous avons parfois quelques problèmes de perception 3D, est-ce que c'est le cas pour toi? Myope et astigmate en plus. Ah bah ouais. Non, alors moi je trouve que ça fonctionne très bien comme tout le monde, hein, c'est vrai, mais à partir du moment où on bouge pas trop, c'est vrai que c'est assez chiant de, sur les jeux sur lesquels t'es un peu agrippé sur ta console et où tu vas t'exciter un petit peu, le fait de la bouger un petit peu sur le côté comme ça, ça fait... Sur un street ou un PES par exemple? Bah, par exemple, ouais, sur ces deux-là en particulier, effectivement, ça va te faire comment dire, décrocher, comme on dit, c'est-à-dire que bah, l'image va d'un seul coup disparaître pour une autre, ça sera plus en 3D, donc faudra remettre le truc. Donc là, bon, peut-être que j'exagère un petit peu parce qu'on peut se faire violence et essayer de pas bouger. Mais sinon, oui, l'effet fonctionne bien. Et moi, pour ma part, bah, étant donné que ça peut pas vraiment être utilisé dans le gameplay, ouais, parce que tous les jeux doivent être aussi jouables, activés ou désactivés en 3D, voilà, moi je considère que c'est un petit peu gadget, mais je trouve que l'effet est cool et que ça risque de... Voilà, comme disait Traz, c'est vrai que revenir en 2D après, ça fait quelque chose. Quoi. Ça mérite ces 250 euros ? Attends, c'est la question piège, ça. C'est plus une question de line-up, là, je vais dire. Et moi, je vais attendre un petit peu pour ma part, parce que les jeux que j'attends le plus, ils arrivent un peu plus tard. Notamment le remake de Zelda et le Paper Mario, qui sont les deux jeux que je suis le plus impatient de voir, comme beaucoup, je crois, ici d'ailleurs. Eh ben, merci Julo, et on va conclure avec le Saint des Saints, l'homme sans qui rien ne pourrait arriver, puisqu'il s'agit du rédacteur en chef de Gameblog.fr, monsieur Gugoriz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 
moi.